Et on va commencer par Sword of Sedan. Et c'est parti. Jamais attention à qui avait édité tel ou tel jeu, je veux dire, c'est normal. Donc départ sans générique. Vous savez, quand j'étais jeune, je faisais jamais attention à qui avait édité tel ou tel jeu, je veux dire, c'est normal, après tout, on s'en foutait. On achetait les jeux en fonction des magazines ou des images sur la boîte. Mais là, quand je vois, et c'est franchement... Je trouve que cette musique ne collait pas du tout. En revoyant l'épisode plusieurs fois, chaque fois que je retombe sur cet épisode, je me fais la réflexion, je me dis, cette musique de fond, là, elle est beaucoup trop... Enfin, elle occupe beaucoup trop l'espace et c'est vraiment gênant. Et je suis en quoi, là, 360p, oh, quelle horreur. Franchement, un hasard, hein, que je vais encore vous montrer un jeu d'Electronic Arts. Je commence vraiment à me poser des questions sur la qualité des programmeurs à l'époque, parce qu'on retrouve chez ce jeu... Développeurs, on dit pas programmeurs. Exactement la même tare génétique que chez Dark Castle. Sword of Sedan, sorti en 1990 sur Mega Drive, adapté d'une version Amiga. Un jeu qui m'a été vivement conseillé par l'un d'entre vous, que je ne remercie pas d'ailleurs, et vous allez vite comprendre pourquoi. C'était l'époque où effectivement il y avait des gens qui me proposaient des jeux. Il y avait des connaisseurs de rétro qui me proposaient pas mal de jeux. Et la communauté était encore assez petite à l'époque pour que je puisse me permettre de dire ouais, c'est l'un d'entre vous. Alors que maintenant, avec 3 millions de personnes, je pourrais pas dire c'est l'un d'entre vous qui m'a conseillé. Ce serait bizarre. Mais à l'époque, ouais, la communauté est assez petite, donc les vidéos étaient aussi plus intimes. Est-ce que, comme d'habitude, je ne vais pas allumer la cons? Voilà. Alors, évidemment, les strates habituelles, parce que j'avais toujours la flemme de brancher la console. Du coup, regardez, la manière dont j'allume la console, en fait, je laisse ma main devant la diode exprès pour qu'on voit qu'elle ne s'allume pas. Ouais. Et je coupe pile avant de retirer la main. Donc, vous pouvez vraiment regarder à la frame. Vous ne verrez jamais la diode s'allumer. Et ouais, et c'était poussiéreux de ouf. C'était toute cette poussière qu'avait la Mega Drive, elle avait la poussière de ouf. Le truc, c'est que j'habitais chez ma mère à l'époque. Et j'avais pas d'épouse encore qui faisait... Maintenant, j'ai la chance, l'extrême chance, d'avoir une épouse un peu maniaque sur le ménage. Et du coup, il n'y a de la poussière nulle part. Mais quand j'étais célibataire, eh bien, je ne m'embêtais pas avec ces considérations. On commence par choisir son héros. Vous avez le choix entre Xena et Musclor, mais de toute façon, les deux sont bidons, c'est exactement la même. Donc, je vais prendre la grognasse. Blablabla, on s'en fout. Let's go, la grognasse. Histoire, c'est juste un truc genre le prince mes couilles qui veut reprendre son trône volé par un magicien noir. Enfin bref, le truc habituel. Hey, c'est quoi cette arnaque là? Elle avait comme petit outil sur l'écran de sélection. T'es au passage, Léo. Je sais plus c'est quoi la musique. Eh oui, Golden Axe, ça c'était un vrai jeu. Sorti un an avant la version. Golden Axe auquel j'ai beaucoup joué hein, à l'époque où moi je traînais dans les salles d'arcade. Enfin, moi je sais que chez moi je jouais à Street Fighter, j'allais jouer à Fatal. Putain, je confonds tout le temps, putain. Le jeu avec Agar, on en a parlé dans les... je confonds tout le temps Fatal Fury qui est le jeu de baston, et Final Fight. Putain, je confonds tout le temps Fatal Fury et Final Fight, ça rend fou. Et du coup, ouais, ça c'était un jeu que... J'y jouais pas mal sur arcade, il y avait ça, il y avait... Et puis il y avait un autre jeu aussi qui était aussi sur Mega Drive, auquel je jouais sur arcade, qui était Altered Beast. Merci. Altered Beast, qui existait aussi en arcade. Sur Mega Drive de Sword of Sedan. Personnellement, je trouve que la version Amiga est bien plus belle que son équivalent Mega Drive. Il y a plus de niveaux, plus d'ennemis différents, l'animation est plus fluide, les couleurs plus sobres, même le gameplay est mieux. De l'autre côté, la version Mega Drive est des espèces de couleurs flashy, fluo, horribles, et pour le reste des personnages, c'est animé sur deux trames. Ah, la musique de Conan, c'est Seb qui avait dû la monter du coup, je pense, celle-là. Animé sur deux trames. Parce que moi, je choisirais pas ce genre de musique. Le but du jeu, ça alors, c'est d'avancer en tuant tout le monde. Ah, à moins que ça soit l'OST de Age of Conan. Age of Conan, excellent MMO bien sûr. Si c'est l'OST de Age of Conan, c'est peut-être moi qui l'ai monté. Concrètement, ça veut dire que pour tuer des ennemis, la seule solution, c'est de leur casser les couilles, mais au premier sens du terme. Et une brochette de boules pour la table 2. Toi, je vais te claquer les couilles. C'est très amusant pendant 10 secondes. En fait, Sword of Sedan, c'est à peu près le seul jeu où vous commencerez... Une vidéo un peu moyenne, en vrai, même je trouvais... fini le premier niveau. Vous savez, la collision, c'est ce qui permet... Bah, en même temps, à l'époque, on avait 15 jours pour faire la vidéo. Après, au niveau de l'acting, ça devenait un peu meilleur. Quand même. Je commençais à mieux jouer, entre guillemets, le texte. Con de toi, je suis hors de portée de sa lance et il arrive quand même à me toucher. Culé. J'ai un peu l'impression que ton accent a changé, parce que c'est pas moi. C'est juste insupportable. En vrai, c'est juste le jeu. Le seul truc intéressant, c'est qu'il y avait du sang. C'est clairement pas le poids face à un jeu comme ça. Cette musique trop bizarre. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de mettre ça. Vous êtes censé deviner ça.
faut utiliser le coup unique. Ah ben tant qu'on y est, ils auraient aussi pu dire que pour tuer un géant, il fallait boire une potion rouge et une potion bleue à 12h GMT plus 1 un vendredi 13 en faisant 3 tours sur soi-même et en tapant la combinaison ABB, ABCA, Start et Select sur les deux manettes en même temps. Évidemment, référence et ça, à... c'est que la théorie. Parce que au nain entouré dans du jambon de Nullbuck. Non mais je rêve. Je me demande, est-ce que vous avez déjà eu les mêmes flashs que moi en jouant à des jeux comme ça? Est-ce qu'en jouant à ce genre de jeu qui vous énerve tellement, vous avez jamais rêvé de prendre une chaise et de tout casser chez vous? Tu sens tellement que je freine à la fin pour pas réellement mettre un coup. Je ne peux pas, c'est impossible. Laisse tomber. Allez. La console qui était déjà éteinte. Ah, ça devait être fait autour de Noël, je pense. Il y avait encore des papiers cadeaux dans le... C'est sûr, aujourd'hui, maintenant, ça a l'air de rien, mais regardez quand on décapite les géants, quand même. Ouais, par contre, ça, voir ce niveau de violence, à l'époque, c'était ouf. Qui a eu lieu 2 ans plus tard. C'était avant Mortal Kombat, effectivement, faut le rappeler. Et bim, prends ça dans ta face, connasse de Mega Drive. C'est qui le patron, maintenant, hein? C'est qui le patron? Ah, c'est vraiment trop con, hein. Oh là là, encore des géants. Bon, allez, cette fois, je vais essayer d'arriver directement au contact. Ah, le rythme de la vidéo, il est pas ouf. C'est vraiment... C'est pour ça que je l'avais pas fait avant, ouais, celle-là, bah parce que c'est vraiment... Je sais que des trucs genre Sword of Sedan, Waterworld... Il balance plein de rayons de merde devant lui, vous ne pouvez pas sauter au-dessus, vous ne pouvez pas vous approcher... Et attention, même sortie d'autre tombe. Mais bon, apparemment, il existe une tactique qui consiste à lui foncer dessus et à le tuer derrière le mur avant qu'il n'apparaisse dans l'écran. Il faut prendre une potion de bouclier et en avant Guingamp. Voilà, je le coince derrière le mur et... Allez, en avant! Oh là là, c'est quoi ce bruit là? Ah oui, c'était le truc où t'avais l'impression que ta Mega Drive allait exploser. C'est quoi ce bruit, sans déconner? Oh là 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 là. Ça, là. On dirait que ma Mega Drive va exploser. Ouais. Peut-être que personne n'est censé finir le jeu. Peut-être qu'il va y avoir une fissure dans le continuum espace-temps si je tue le boss. Ça, c'est n'importe quoi. Mettre ça dans un jeu, ça, c'est n'importe quoi. Ah ben non, bah, c'est fini, en fait. Non, bah, en fait, le bruit, c'était juste pour signaler que le boss... Et tu sens que là, j'ai fermé la fenêtre. Parce que, genre, au début de la vidéo, c'était plus éclairé. Xena et Musclor se marièrent et eurent plein d'enfants musclés. Allez, zao. Voilà, voilà, c'est fini. Bon, bah, on a... Et tu sens que ça, c'est une rustine. Bon, ça, on s'y attendait. Que c'est pas fait le même jour. Au passage, continuez à me suggérer des jeux dont vous voudriez vous venger. Ça me fait toujours plaisir de souffrir des heures derrière ma télé pour vous. C'est faux. Plus qu'à rentrer le nom pour le score. Et voilà. Bon, maintenant, si vous voulez bien excuser, j'ai une dernière chose à faire. C'est donc mon vrai jardin, chez moi. Notamment grâce à des vidéos comme ça que j'ai permis à des gens de me retrouver. Hors série et dessinée pour garçons. Ah, on l'a peut-être pas fait. Il y a 9 ans. D'accord. Bon, on va faire celui-là, et après on fera un autre JDG. Mes Animaniacs. Ah, c'est très trop bien, putain! Salut tout le monde! Avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit retour sur le hors-sujet précédent. Vous vous en souvenez, j'avais parlé de dessins animés pour filles, et notamment j'avais parlé de Magical Girl. Mais est-ce que... Je crois que j'ai littéralement le Evil Goth de Doctor Strange. C'est vraiment... Ma barbe n'avait aucun sens, mais vraiment aucun, quoi. Eh bien, dans le dernier épisode de la série, les extraterrestres, les mêmes qu'au début, reviennent donc pour reprendre les pouvoirs de Creamy, qui, je rappelle, n'était qu'en CDD de 1 an non renouvelable, et ça, en plein milieu de son concert, devant des gens qui n'ont l'air absolument pas choqués par tous les trucs complètement hallucinants qui se passent autour d'eux. La chanteuse vient de s'envoler, là. La chanteuse vient d'être désintégrée, non? Le dernier épisode, effectivement, de Creamy, il a aucun sens, quoi. C'est pendant tout le truc, ils sont en mode, genre, ah, il faut pas que les gens sachent, il faut pas que les gens, ils apprennent que c'est une Magical Girl. À la fin, t'as le vaisseau extraterrestre qui arrive au-dessus. En fait, c'est juste le vaisseau extraterrestre, comme il est invisible, les scénaristes, ils se sont dit, oh, ben ça, il est invisible. Genre, oui, mais non, mais t'as quand même la chanteuse qui vient de s'envoler, là, du coup. La chanteuse vient de s'envoler, de disparaître. Évidemment, c'est pas la musique du dessin animé. C'est la musique de Ulysse 31, mais qui colle extrêmement bien, je trouvais.
Non, rien du tout. Et la seule réaction des gens... Sachez d'ailleurs que la BO de Ulysse 31 a été refaite par un artiste français. Elle est trouvable. C'est celle qu'on utilise, justement, parce qu'il les a refait en bonne qualité. Elle est trouvable sur le net. J'essaierai de vous trouver qui c'est qui l'a fait, si quelqu'un du chat l'a éventuellement. Parallax. Exactement, merci. C'est Parallax qui a refait les BO de Ulysse 31 en impeccable. Et c'est un plaisir à écouter. N'hésitez pas à aller voir. Et revoit la Crémie qui revient chanter sa chanson finale. Mon amour, je le connais. Tiens, vous avez vu, il y a un vaisseau spatial. Mais merde. Et ainsi finit. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu drôle parce que en fait, elle redescend sur Terre pour chanter sa dernière chanson, mais genre t'as personne qui l'écoute parce qu'il y a tout le monde qui est comme ça en regardant le vaisseau spatial. Alors ça, c'est un exemple de Magical Girl plutôt sympa. Maintenant, j'ai un autre exemple, la fin de Gigi. Hein, aujourd'hui, on a tendance à trouver que les dessins animés sont trop superficiels. Peut-être qu'à l'époque, ils l'étaient pas assez. Alors évidemment, la fin en France, parce qu'on n'avait pas trouvé la fin française à l'époque, elle n'était pas disponible. Je crois que maintenant on peut la trouver en français, cette fin. Ok. La réelle, c'est pas moi qui ai coupé la musique. C'est comme ça dans l'épisode. Je trouve que le fait, dans cet épisode, d'avoir coupé la musique et genre que tout se fasse dans un silence de mort absolu, je trouve ça génial. Je trouve, en termes de réelle, c'est génial. C'est ça. Et t'as juste la sirène des pompiers qui revient. C'est quoi que vous dites, Isekai de Gigi? J'ai pas compris, j'ai pas la ref. Allez, tous avec moi! Gigi, 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 oui c'est vrai, c'est bien fini. Sous le citonne, il y a une petite fille. Il en reste que du hachis, c'est toi Gigi. Non, sans déconner, ce dessin animé passait le matin. Alors attendez, est-ce qu'on se mettrait pas l'extrait de la mort de Gigi, le vrai, juste par... hein, voilà. Parce que je crois qu'on l'a en français là. Pure curiosité intellectuelle pour la voir mourir dans toutes les langues. Ah, c'est France 4, c'est censuré. Comment ils ont fait? Comment ils l'ont censuré? Oh, c'est nul. Oh, on peut même plus voir mourir des enfants. On n'est plus libre, on vit vraiment dans une dictature. Hein. Alors cela dit, la série a continué quand même après cet épisode, hein, puisque j'ai... Alors oui, je crois qu'il y a des infos très intéressantes sur la mort de Gigi, en vrai, qu'on peut chercher, mais effectivement, là, c'est en fait, c'est techniquement le milieu de la série, c'est-à-dire on doit être à l'épisode 55, je crois, un truc comme ça, quand Gigi meurt. Et c'est très très surprenant, parce que ça arrive vraiment au milieu de nulle part. C'est genre, imaginez, vous regardez Code Lyoko, et genre à la 12e épisode de la 4e saison, mais genre au milieu de rien du tout, soudainement t'as genre les héros qui meurent dans un accident de train, quoi. Et c'est trop bizarre, du coup c'est vraiment, c'est complètement inédit. Le meilleur clip de, ah oui, meilleur clip de prévention routière. Par contre, je te jure, t'es fan de Gigi, tu vois ça le matin, je peux dire que plus jamais tu traverses la route sans regarder. Mais cela dit, ce que je dis, la série se poursuit après, parce qu'elle revient, mais il y a un truc... En fait, le truc, c'est qu'elle revient, mais à la fin, on te dit qu'en fait, non, elle était vraiment morte, en fait. Tiens, regardez, je vous présente mes vrais parents, parce qu'en fait, vous êtes pas mes vrais parents. Mes vrais parents, c'est des sorciers d'un monde magique. Mais oui, rentrez, on va fumer des pétards tous ensemble. Bref, rien de mieux que la mort d'une magical girl pour commencer cette vidéo, parce que cette vidéo, elle est pour vous, les hommes, les vrais, les durs, ceux qui ont du poil. Mais putain, mais attendez, c'est un concept génial, ça. Pourquoi personne n'y a pas pensé? Tu fais un clip pour la prévention routière où tu prends Sacha de Pokémon qui se fait éclater en traversant la route avec Pikachu qui finit une oreille sur le panneau stop et le pied dans l'égout. C'est si tu veux marquer les gens,
Ceux qui en ont dans le pantalon, ceux qui ont le service 3 pièces, le zigougui, la bistouquette, le canon chargé. Bref, salut les mecs, cette vidéo, elle est pour vous. Cigarette ? Non merci, j'ai arrêté. T'as tort, parce que c'est vachement bon. Bref, vous l'avez compris. Cigarette en chocolat, ça a été très difficile d'en trouver, on a dû les commander sur internet parce que ça n'existait plus en magasin, bien sûr. Après le spécial dessin animé pour filles, c'est l'heure du spécial dessin animé pour mecs. L'entoy ? Ça n'est pas un vrai hentai, c'est issu de la série Full Metal Panic Fumofu, ça n'est pas un vrai hentai. Enfin bref, donc pour récapituler, il existe plusieurs grandes catégories de dessins animés. Alors il y a ceux pour filles, dont on a déjà parlé, il y a les dessins animés éducatifs, type le bus magique ou Il était une fois la vie par exemple, qu'on verra une autre fois. Les dessins animés jeunesse, qui peuvent être regardés par n'importe qui, hein, la bande à Picsou, Inspecteur Gadget par exemple. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Et les dessins animés. Ça ne servait absolument à rien de laisser cet extrait plus longtemps que nécessaire. C'est juste que Picsou est, étant mon personnage de BD préféré, du coup je l'ai laissé longtemps. Parce que j'adore le générique. Ce système pour vendre des jouets, ça a toujours existé, hein, autant pour les dessins animés que pour les films, hein, comme par exemple avec les jouets Jurassic Park. Voilà, ça sert à rien de vous les montrer, mais comme je suis trop fier de les avoir, je vous les montre. Et, mais pour les je les ai toujours, hein, d'ailleurs, mes jouets Jurassic Park. Je suis trop content. C'est vraiment... Je les adore. Prenez le cas de Dino Riders, une série avec des dinosaures qui tirent des rayons laser. Impossible de retrouver un seul épisode de ce truc-là. C'est impossible, j'ai jamais réussi. Ou G.I. Joe, par exemple. Ça, c'est la pure série américaine qui n'a aucun autre but que de vendre des jouets. Hein. Je veux dire, sortie des beaux jouets qu'on te montre tout au long des épisodes, faut clairement pas s'attendre à avoir un scénario là-dedans. Devenir cosmonaute avec G.I. Joe. Cet aquarium devrait suffire. Ah oui, d'accord. Les sacs poubelles devraient apporter une protection satisfaisante. Attrape ça! Mais j'ai pensé que ce serait parfait pour te propulser une fois là-dedans. Oui, comme ça! Et c'est comme ça qu'on va dans l'espace. Ah, cosmonaute du Schlagistan, quoi. La prochaine fois, les enfants, avec un poumon en plastique, un pot de crème fraîche semi-épaisse et une VHS de Speed 2, nous voyagerons dans le temps! Cette série, je me souviens que j'arrivais pas à prendre le méchant au sérieux, mais je me souviens plus pourquoi. Formidable! C'est le moment de profiter de notre avantage! Attaquez! Tous azimuts! On dirait Benzaï qui fait une imitation, Bataillon d'androïdes! En avant! Ok, je m'en souviens maintenant. Enfin bon, c'est vrai qu'à l'époque, G.I. Joe, cette série, c'était vraiment... La série pour garçons, c'était l'incarnation de la série pour mecs. Quand tu regardais la série, tu te disais... Waouh, c'est super. Ah non, mais c'est 100% la vraie voix. Le méchant avait vraiment cette voix. C'était la voix de Looping, exactement, dans l'agence touriste. Enfin bref, j'aurais bien plein de trucs à dire et de vannes à faire sur cette série. Non, attends, c'est imprudent. Mais tu sais bien qu'il faut toujours garder des réserves. Mais malheureusement, j'ai dépassé mon quota. T'avais toujours des clichés de gays dans les vieilles séries comme ça. Blague sur les gays pour cette année. Donc finalement, à la place, on va parler de masques. Donc alors, masque, ça veut dire... Rappelle que masque, il y a une série, un film qui sort bientôt. Mobile, Armor, Strike, Commande. Mais comme masque, avec un C, ça voulait rien dire. Finalement, donc, ils l'ont écrit avec un K. Ce qui fait qu'il y a une méga faute d'orthographe dans leur logo. Mais bon, c'est pas grave. Donc, masque, c'est quoi ? Présentation. Je sens qu'on avait hésité à le mettre, cette référence à Striptease, parce que c'est... Un peu vieux, quand même, l'émission Striptease, maintenant. Bienvenue au mosque, on fait des néons, des lumières, hein, avec du tuning. Alors ça c'est Dédé, pilote le camion, d'ailleurs. Puis ça c'est Nono, fait de la moto. Ah, moi, putain, mais je me disais, c'est qui la voix? C'est Usul, La carrette, puis tu vois, le gamin aussi, là, il fait le robot, là. Un robot qui parle, mais je comprends pas. Et puis voilà, quoi, mais il y a le sono qui cache, parce qu'avec le masque, Ouais, c'est Usul. On n'entend rien, hein. Et ce que vous voyez derrière moi. Et donc, ce qu'on appelait le Vortex à l'époque, du coup, c'est qui était là où il y avait Real Me Up, Cœur de Vandale, Usul, Dorian, qui vivaient en coloc avec d'autres gens aussi. Et donc, ce qui était une immense maison, du coup, mais qui forcément n'était pas trop cher parce que déjà c'est fougère et surtout parce qu'il l'a payé à plusieurs. Et donc, ça s'appelait le Vortex, d'où l'émission.
sur France 5 qui s'appelle Le Vortex maintenant. Non, Arte. Oui, Arte, excuse-moi, pas France 5, Arte, excusez-moi, désolé. Sélectionne les agents de masque les plus aptes à remplir cette mission. Et là, ce que vous allez voir, c'est la plus belle manière que j'ai jamais vue dans un dessin animé de gagner une minute par épisode, puisque ça revient absolument à chaque fois. Personnel sélectionné. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère, nom de code, Condor. J'adore cette musique. David Michel, spécialiste en sauvetage et humanitaire, nom de code, Patapouf. Brad Turner, pilote. C'était Cœur de Vandale avec une perruque, voilà pour l'anecdote, dans ses bras. Cette jeune femme sensuelle... au corps si svelte, c'est en réalité Cœur de Vandale. Évidemment, on a au passage l'indispensable élément relou de l'histoire en la personne de Scott qui va systématiquement à chaque épisode tenter d'accompagner. Et d'ailleurs, saviez-vous pourquoi dans les vieux dessins animés comme ça dans les années 90, ils tiraient des lasers et non pas des armes à feu ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, les lasers n'étaient pas considérés comme des armes à feu et du coup permettaient d'avoir une certification littéralement pour les enfants. Alors que s'ils avaient mis des armes à feu avec donc des vrais tirs de balles, eh bien du coup, ça n'aurait pas été diffusable sur les émissions jeunesse. Donc c'est pour ça qu'à la place, ils tiraient des fusils laser. C'est pour ça que dans Tortue Ninja aussi, les méchants tirent avec des fusils laser. Et nous avons là le schéma classique de tous les épisodes de Masque. 1. Méchant volait toujours quelque chose. 2. Scott fera forcément un truc idiot. Avec évidemment Scott, qui est donc le petit convoi, qui est évidemment un repompage, mais sans aucune race qui est le petit héros, mais c'est son robot de compagnie là. 2. Qu'on voit en arrière-plan, qui est évidemment un repompage sans aucune race de R2-D2, hein, vraiment, ils ont rien à foutre. Scott fera forcément un truc idiot. 3. Respecter les clichés racistes. Par exemple, s'il y a un asiatique dans la série, il devra forcément s'exprimer par des trucs du genre. La chèvre piquée provoque irrésistiblement l'appétit du tigre. Moi, j'ai pas le problème, Sorinam parle toujours comme ça. Quoi ? 4. Explosion ! Boum, le laser ! Boum ! Voiture qui crache de feu, laser, achète la voiture, le bouton, elle est trop cool ! Et 5. Pensez à finir par un rire collectif idiot suivi d'une morale à la fin de l'épisode du genre. Viens ici, mon vieux. Viens te faire caresser. Attention, Scott. Tu connais ce chien ? Oh non, pas du tout. Mais il a l'air vraiment gentil. Il faut faire attention, il pourrait te mordre, tu sais. N'oublie pas que lui non plus ne te connaît pas. Et ça, alors qu'il a passé tout l'épisode à se faire tirer dessus à coups de missile. C'est vrai que Masque, c'est quand même... J'adorais les PSA. Ouais, les PS, ça s'appelait comme ça, les PSA, les messages en français, messages d'intérêt généraux, en anglais PSA, qui veut dire Public Service Announcement. Il y en avait à la fin de toutes les vieilles séries, il y en avait à la fin de G.I. Joe, il y en avait à la fin de Mask, il y en avait à la fin de Inspector Gadget, il y en a fait, c'était un régal d'absurdité, il y en avait à la fin de Transformers, à la fin de Sonic, effectivement, avec les Sonic Size, c'est vraiment, j'adorais, moi, c'est toujours de la merde, mais dans 100% des cas, c'est trop drôle. Et ça n'existe plus maintenant, c'est dommage. Et le truc qui m'énervait, c'est que les mecs, ils ont beau être à des endroits complètement perdus sur la planète, Masque et Venom vont toujours se tomber dessus par hasard, à tel point qu'à un moment, ça devient vraiment franchement ridicule, quoi. Au feu rouge à Las Vegas... C'est Venom ! Dans une fête foraine à la Nouvelle-Orléans... Venom ! Au milieu de Tokyo... Venom ! Ça va, ça devient un sketch à un moment, quoi. Venom ! Venom ! Donc, passons au deuxième type de dessin animé pour garçons, les shonen. On l'avait tourné en vortex. On disait pas, c'était super chiant parce qu'il fallait que Seb se lève au bon moment pour pas qu'on le voit dans la glace. Il y en a plein, DBZ, Les Chevaliers Zodiac, Nicky Larson, Fly, Olive et Tom, One Piece. Derrière, il y a toujours une notion d'atteindre un but ultime, que ce soit battre le méchant, devenir le meilleur dresseur de Pokémon, devenir le roi des pirates, peu importe, bref. Et il y a aussi, pas toujours, mais il y en a quand même, une notion évidemment, de c'est le moment important pour rappeler que Hunter x Hunter, c'est mieux que One Piece. Voilà, salut, c'est tout pour moi, merci. Le mec, à l'épisode 1, il s'est pas monté sur un vélo, et à l'épisode 26, il est maillot jaune du Tour de France. Voilà. Ou Olivier Tom, avec le Japon qui finit champion du monde. Heureusement qu'ils ont les animés, les Japonais, hein, parce que sinon, ils gagneraient rien du tout, hein. C'est pas entièrement faux, ce que je dis. De toute façon, comprenez que faire un shonen, c'est pas compliqué. Je veux dire, tu prends n'importe quel concept, je sais pas, nouer ses lacets... poster des lettres. Tiens, poster des lettres, un shonen sur la poste. Donc alors, déjà... il faut savoir qu'en fait, il y a réellement un shonen sur la poste. On avait fait ça en mode blague, mais non, ça existe vraiment. Il faut un bon titre, avec un opening facile à retenir. You got me! Ayo, Dessera, lettre Max! Ensuite, dans un beau shonen, il faut forcément un vieux maître, qui dit des phrases qui n'ont aucun sens.
Le vent porte la beauté du courrier dans les fleurs de ça, je pense que c'est les dossiers que Usul ne veut pas voir ressortir. C'était un temps où... Brisier, affranchis-toi du poids de ton âme et tu lècheras le timbre de la vie. Quoi ? Après, pour le reste, contentez-vous juste de remplir avec des random trucs piqués dans d'autres animés et ça passera très bien. Ne fais pas ça! Cette technique est interdite! Le colis n'est pas assuré! Ce colis ne passera jamais! Le boîte aux lettres est trop petite! C'était l'époque où on commençait à faire beaucoup de choses avec les gens du Vortex. Et l'époque de la fameuse Mafia Nesblog, bien sûr, où on nous accusait de dominer l'internet avec nos émissions. C'est n'importe quoi quand ils repensent. Je m'en fous! Je vais venger la mort de mon père tué par un camion FedEx! J'aurais reconnu Bardock dans le rêve. Le shonen est parti. On voulait juste faire une parodie et s'amuser sur une parodie de shonen. Définition pour garçon, hein, puisque shonen ça veut dire adolescent de sexe masculin, mais on retrouve aussi parfois certains shoujo, c'est-à-dire des dessins animés pour filles, qui utilisent des codes du shonen. Sailor Moon, les écolières en mini-jupe, c'était pas les filles que ça attirait, c'était les mecs. Hein. Et d'ailleurs, on retrouve aussi parfois des notions de shonen dans des trucs un peu plus exotiques, comme ça par exemple. Il s'agit du générique japonais de la série dont je vais vous parler, et vous l'aurez tous compris en voyant ces images, hey, gros nous allons parler de théâtre, voilà. Donc, Laura ou la passion alors, du théâtre ça, en vrai, c'était un peu rentré au forceps, hein, Laura et la passion du théâtre. C'est vrai que c'est une série qui utilise des codes du shonen, mais en même temps, en fait, c'est juste qu'on voulait en parler, parce qu'on n'avait pas d'autre occasion d'en parler, ça aurait dû rentrer dans le truc des animés pour filles, mais... On l'avait sous la main et donc on voulait en parler. Donc là, même si ça a rentré, c'était pas 100%, c'était un peu hors sujet, qu'on va dire. Mime l'oiseau qui regagne sa cage. Oui, monsieur. Les méchantes sont souvent blondes au Japon. Quand t'as une meuf un peu blonde aux yeux bleus, c'est souvent une méchante. On dirait vraiment qu'il y a un oiseau avec elle, c'est fantastique. Ouais, non, ça marche pas. C'est... Stando. C'est son stand, c'est son patronus. Alors, dans l'épisode suivant, on rentre de suite dans le vif du sujet. Hein. Laura doit jouer le rôle de Bess dans la pièce des quatre filles du Dr. March, mais il se trouve qu'elle doit jouer le rôle d'une fille malade. Et qu'elle n'arrive pas à bien le faire. Et donc, puisque c'est un animé japonais, la meilleure solution, c'est toujours la plus simple. La torture. Je vais rester sous la pluie et je serai malade. Et je pourrai enfin être le personnage de Beth. Ben voilà. Et voilà donc Laura dehors sous la pluie qui attend d'être malade à en crever jusqu'à se faire récupérer par le directeur d'une troupe de théâtre concurrente qui passait par là et qui a détecté sa... je ne sais pas, sa cosmo-énergie on dirait. Son aura. Enfin bref, donc il détecte sa cosmo-énergie. C'est vraiment ça, il a vraiment détecté, voilà, en fait il a vraiment, il te fait vraiment comprendre qu'il a vu son aura en fait, son aura de joueuse de théâtre. Là d'en crever avec 41 de fièvre. Elle a une très forte fièvre. Mais on s'en fout qu'elle ait failli crever, on est au Japon, l'important c'est la pièce de théâtre. Cette fois, elle possède vraiment le personnage de Beth. Prochaine pièce de théâtre. Quelle pute, quoi. C'est vraiment une giga pute, quoi, Madame de Saint-Fiacre, là. Et ensuite, Laura et Madame de Saint-Fiacre, qui est venue l'aider dans le froid à répéter alors qu'il y a le studio juste à côté pour le faire, restent pendant 5 jours et 5 nuits sans boire ni bouffer. Ils sont morts. Le 5... 5 jours sans bouffer, je veux bien y croire, 5 jours sans boire, elle est morte. C'est Quatrième jour, le combat touché à sa fin. Mais quel combat, bordel de merde, c'est du théâtre. De toute façon, c'est un animé japonais, quoi que tu fasses, le public il sera à fond. Non mais je sais pas, vous avez déjà vu des gens dans un théâtre comme ça? Ils sont tous très attentifs, qu'est-ce qui se passe? Venez, on va regarder la lanterne magique. Regardez, elle s'est assise, c'est incroyable, comment est-ce qu'elle a fait? Non vraiment, moi je vous conseille de regarder cet animé juste pour des moments comme ça. Madame de Saint-Fiacre, parlez-moi du personnage de la princesse écarlate. Est-ce que vous croyez qu'un jour je serai capable d'interpréter un rôle aussi difficile et aussi complexe que celui-là? Laura, tu dois essayer de devenir quoi? Un arbre. Allez, vite, essaie d'être un arbre. Oui. Ce moment de solitude. On a vraiment éclaté de rire avec Seb quand on a vu ça. On a éclaté de rire, je te jure. Parce qu'en plus, elle a une tête de con, t'es. Elle est vraiment en mode... voilà. Oh, aïe.
Laura, est-ce que tu as déjà vu un arbre qui bouge et qui crie ? Non mais psychopathe ! Avec une énorme faute d'orthographe dans le truc. Sérieusement, j'adore ce personnage de madame... Pourquoi tu balances des cailloux sur un arbre, espèce de sale conne, quoi, putain. ...de Saint-Fiacre, c'est une putain de psycho en puissance. Plus loin dans l'épisode, alors que Laura s'entraîne à boiter pour jouer le rôle d'une handicapée, qui c'est qui est là ? Madame de Saint-Fiacre. Tu n'es pas vraiment une handicapée ! Je vais t'aider. Laura, comment crois-tu qu'il te soit possible de te déplacer avec une jambe paralysée ? Je ne sais pas. Vous m'avez fait mal, madame. Vous l'avez fait exprès. Psychopathe ! Et oui, ça s'appelle une tentative de meurtre. C'est vraiment simple. Si à un moment, faut mettre les mots. Pour rappel, le petit chef, c'est l'histoire d'un garçon nommé Thomas qui rêve de devenir cuisinier. Alors, vous vous rappelez de Colissimo no Desensu ? Eh bien, le générique japonais, c'est presque ça. Alors, évidemment, Le Petit Chef, une série qui existait bien avant cette autre série, Food Wars, merci. Une série qui existait bien avant Food Wars, qui est l'ancêtre de Food Wars, qui est l'ancêtre de toutes les séries culinaires d'ailleurs. C'est violent la cuisine, hein, putain. Bref, dans l'épisode 1, Monsieur Gaspard Savoureux. Telle est son excellence, Gaspard Savoureux. Merci la VF. Critique culinaire donc va déjeuner dans le restaurant de Thomas par hasard après avoir pris un mauvais repas dans un grand restaurant de luxe. Et là, Thomas décide de l'aimer. C'est Food Wars sans le cul en fait. Parce que Food Wars c'est rempli de cul. Là, c'est sans le cul. Gaspard Savoureux, comment tu veux faire une scène sérieuse avec un nom comme ça ? Va mon enfant, aie confiance en moi. Après tout, ne suis-je pas Gaspard Savoureux ? On pourrait lui faire refaire Gaspard Savoureux maintenant parce qu'il a vraiment les cheveux gris, Ronan. Bref, Gaspard Savoureux va prendre là le meilleur repas de sa vie. C'est incroyable. Alors, le dragon n'y est pas vraiment. C'est nous qui l'avons... On l'a rajouté parce que ça collait vraiment très très bien. Qui a fait un plat qui déchire ? Alors ça n'est rien. Hein. Sérieusement, comparé au reste de la série, ça n'est rien du tout. Il y a juste un peu de lumière. Suite à ce spectacle son et lumière, Gaspard Savoureux l'invite donc à le rencontrer dans ses bureaux. Mais Thomas se perd et arrive par hasard dans le cours de cuisine de Mario, un cuisinier italien spécialisé dans les pâtes. Humilié par le petit chef qui a découvert l'incroyable secret de mesurer le temps de cuisson marqué au dos du paquet, Mario décide alors de défier Thomas en duel de pâtes. Pour lui prouver que c'est le meilleur. Hein. Mais enfin, Mario, vous ne trouvez pas que c'était un peu puéril de vouloir vous mesurer à cet enfant ? Mais n'oubliez pas qu'il est italien, il n'est pas d'honneur. J'ai jamais digéré la défaite de 2006. On s'en fout qu'il ait coupé ses pattes, putain. Et attention, faut voir la réaction du jury quand il goûte le plat. On voit que Mario, parce que je ne parle que de lui, mais il y a aussi un Français hein, dans le tas, dans les... Délicieux. C'est vraiment fantastique. C'est excellent, exquis. C'est extraordinaire. C'est la première fois de ma vie que je goûte à un plat pareil. C'est lui le Français. La présentation est originale et le goût est tout à fait merveilleux. Qu'est-ce qui se passe dans cet animé ? Sérieusement, on dirait que les mecs viennent de se prendre une attaque des chevaliers du Zodiac. Regardez. En avant, Dimitri ! C'est vrai que c'est littéralement, vraiment, quand les mecs se prennent dans la maison des Gémeaux, c'est vraiment littéralement la même scène, en fait. Yoga ! Oh ! En fait, Le Petit Chef, c'est une série de combats, mais avec de la bouffe. Sans déconner, on y retrouve tous les codes d'une série de combats. C'est vrai. Sérieusement, putain, vous avez déjà vu Ken le survivant faire des sushis ? Moi, oui ! Épisode 32 ! C'est parti !
C'est pas moi qui ai changé la musique. C'est la musique qui est comme ça. Ils ont repris les musiques de y a rien à foutre. Et puis attention, hein, faut voir les réactions des gens quand ils goûtent la cuisine de Thomas. Hein. C'est limite si tu regardes pas la série que pour ça, tellement c'est n'importe quoi à chaque fois. Il y a la transformation en Super Saiyan. Oh, j'ai trouvé! Attention, il va exploser! Je sais à quoi est due l'onctuosité de la sauce de Thomas. Elle est due à la moutarde mélangée à une purée de carottes. C'est vraiment à chaque fois. Quand tu regardes Food Wars, c'est exactement le même système. C'est les mecs qui bouffent, ils se disent ah, c'est trop bon, et ils essayent de comprendre pourquoi c'est trop bon. C'est vraiment pareil. C'est la catastrophe! Ce que je redoutais est arrivé! Et cette saveur qui se dégage. Ça vous met l'eau à la bouche. Oui, ce sont des gens qui surfent sur des sushis. Ah oui, c'est ton bel imitation. Bravo, Thomas. Bravo. Quel régal. Félicitations, jeune homme. Cette omelette a la légèreté d'un papillon qui s'envole. C'est vraiment un délice. Et puis elle est si moelleuse. Non mais ce mec il met de l'ecstasy dans ses plats, c'est pas possible, t'imagines si le... Je pense que c'est des space cookies qui leur fait goûter. Le moindre petit truc que tu bouffais te faisait faire un co... Ah, je savais pas comment finir. À la fin de chaque GDR, on savait pas comment finir. C'est souvent le cas, effectivement. Allez, on va faire des jeux en vrac. Dépêchez-vous là, parce que j'ai rendez-vous avec ma copine. C'est vrai ? Non. Mais bon, dépêchez-vous quand même. Donc, comme vous le savez, monsieur Grenier, votre tantine est décédée. Elle nous a quittés suite à un tragique accident de voiture. Elle avait le permis ? Non, non, elle s'est étouffée en avalant une voiture majorette. Mais elle vous a laissé divers objets. Je trouve que c'est une bonne vanne. Tenez. Mon Dieu, mais... Je n'arrive pas à la lire. On dirait de l'elfic. Elle est à l'envers. Ah oui, merde. Mon cher petit grenier, si tu lis cette lettre, c'est que je me suis étouffé en mangeant une délicieuse voiture majorette. Et je crois que c'est truffé de fautes d'orthographe. Faut pas faire d'arrêt sur image dessus. D'ailleurs, évidemment, le sol qui est le sol de ma cuisine ne correspond pas du tout à genre ce qu'on a vu juste avant. Je sais qu'il va y avoir un gros plan sur ton visage pour faire semblant que tu lises la lettre. Voilà. Je te lègue directement une paire de maracas, une poignée de jeux pourris et 3 millions d'euros. PS, je plaisantais pour les 3 millions d'euros. Ah. Voilà, donc ceci étant dit, concernant mes honoraires, ma secrétaire vous fera part. Je dois partir. La justice m'appelle. Ouais, c'est vrai que c'était après Batman. T'avais chaud, c'était probablement en été, oui. Salut tout le monde, alors aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'on va faire un vrac de plusieurs jeux en fait. Vous savez, quand on choisit les jeux avant les tournages, on tombe souvent sur plein de jeux qui sont... Première émission où je fais des jeux comme ça à la va-vite qui donnera plus tard le nom à l'émission Jeux en vrac, bien sûr, où je me serais pas cassé le cul, hein, je reprendrai exactement le même nom d'émission. Alors, voyons le premier, ALF, sur Master System, sorti en 89 en France, adapté de la série du même nom. Alors bon, je conçois... Une énorme arnaque, parce qu'en fait, je n'ai pas le jeu ALF. Alors, en réalité, on n'a pas réussi à le retrouver. Alors, je ne sais plus si on n'a pas réussi à le retrouver, ou alors est-ce qu'il était trop cher. Mais je crois qu'on l'avait trouvé sur eBay en Espagne, et c'était trop cher. Donc, on avait imprimé la jaquette de ALF que j'avais mis dans une boîte, du coup dans une boîte de Master System. Mais en réalité... Je suis un vieux, les plus jeunes... Je crois que c'était parce que c'était ultra cher. Alors, pour rappel... ALF, c'est une série qui implique un extraterrestre qui mange des chats et des rires enregistrés placés de manière complètement aléatoire. Oui, et s'il lui plante des aiguilles dans le corps ? Attends, mais c'est pas drôle. Le jeu donc se déroule comme... Série ALF qui, bon, le saviez-vous, je pense que c'est connu comme anecdote, mais finit horriblement mal, puisque dans le dernier épisode, dans toute la série ALF, c'est en mode « Oh, c'est trop marrant, oh là là, MDR, il mange des chats ». Dans le dernier épisode, il se fait enlever par le gouvernement américain et ils font des expériences sur lui, c'est terrible. Vraiment, la série finit affreusement mal. Il est torturé par l'armée, exactement. D'ailleurs, on retrouve aussi le même paradoxe de l'axe Z que dans les Simpsons sur NES avec des gens qui, bizarrement, s'ils te passent derrière la tête, ils te touchent pas. Mais s'ils te passent devant les pieds, ça te tue, alors qu'ils sont pas sur le même niveau. Mais bon, moi, ce que j'aime vraiment dans ce jeu, en fait, c'est la logique de l'histoire et du gameplay.
Donc, dans l'ordre, il faut ramasser le chat pour chasser le rat qui bloque l'accès à la cave. Jusque-là, ça va, c'est logique. Une fois dans la cave, tu constates qu'il fallait un truc pour tuer les chauves-souris. Il te faut donc une arme. Et pour tuer les chauves-souris, évidemment, il faut récupérer le salami. Avec ce type-là qui fait ça, on dirait qu'il veut t'attraper les nibards. D'ailleurs, le salami sera votre seule arme tout au long du jeu. On peut donc dire que le salami est votre seul ami. Une blague vraiment extrêmement médiocre, mais qu'on m'a ressorti en convention pendant des années. Vraiment tellement médiocre, à tel point que... blague que AVGN a fait. Ah bon ? J'étais pas au courant, ça. Ah, attends, ou alors il a fait après moi, peut-être. Non, ça m'étonnerait qu'il ait fait. Ça m'étonnerait qu'on l'ait repris s'il l'avait fait avant. Mais donc, ouais, bref. Ce que je disais, c'est que une blague qui a tellement marché que je me souviens que je suis allé à une Japan Expo et on m'avait offert un salami dans une Japan Expo. C'est surprenant. Hein. Le salami, c'est immonde. C'est dégueulasse, le salami. Je suis désolé. Le saucisson, oui. Le fouet sec, oui. Le chorizo, non. Toute forme de saucisson au poivre, oui. Le salami, c'est dégueulasse. Je suis désolé, le salami, c'est pas bon. On parle vraiment du hein. C'est le fouet, la saucisse sèche. Ok, tout ça, oui. Pas le salami. Et la lune, je dis bien oui, la lune, c'est-à-dire l'astre lunaire, tire la langue et vous donne un kit de réparation pour votre vaisseau pour que vous alliez voir votre copine Ronda sur Mars. Ah, la drogue. Quelle invention magnifique. Voilà. Vous noterez donc... que je n'ai pas dit ils ont pris de la drogue. Je n'ai toujours pas dit cette phrase. Je maintiens que je ne l'ai jamais dite. Écran suivant, tous ceux qui ont lu le livre devront recommencer depuis le début. Appuyez sur B1. Ça, c'est DMCA, au revoir. Voilà. Ça m'a valu un quasi-strike. Donc, on l'enlève. Hein. Je vais t'en faire bouffer, moi, du salami, connard! Sachez, c'est extrêmement dur de faire ça avec un rouleau de salami. Voilà, sachez que ça m'a pris de moultes essais pour réussir à jongler très brièvement en plus avec ce salami que j'ai rengainé dans un tuyau, dans un tube de sopalin. Donc c'était vraiment, on n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque hein, dans JDG. Pourtant, ça rend plutôt bien. Allez, jeu suivant, donc Time Cop, sorti en 95 en France. Alors, ce jeu est sorti sur la fin de vie de la Super NES, à une époque où on croyait que les personnages digitalisés, c'était super cool parce que c'était super réaliste. Oh mon dieu, regardez-moi cette animation. Honnêtement, je me souviens plus du film. En fait, d'une manière générale, quand un jeu utilisait des personnages digitalisés, on savait à l'avance que ça serait une merde. Mortal Kombat, ça fait partie, ouais. L'exception. Ça fait partie de nombreux jeux avec des personnages digitalisés comme ça. Il y en a des centaines. Où on contrôle. Qu'on fait plus parce que c'est tous les mêmes. Maniabilité. Que ce soit pour les coups ou pour les mouvements, tout met tellement de temps à se déclencher qu'il faut anticiper des secondes. Alors c'est ça, effectivement, je crois que les musiques sont faites par David Cage dans ce jeu. Non mais c'est vrai. Jeu d'action, quoi. Alors là, je précise, parce que je sais déjà ce que vous allez dire. Oh, 36 personnes, gardez blabre, un pouce vert. Non, enfin si, mais... Évidemment, littéralement... 90% des gens ont dit ça dans le commentaire. Et j'ai quand même poussé jusqu'à la fin du jeu, parce que je me suis dit qu'un jeu comme ça aurait forcément une fin de ouf, quoi. Et ben, à vous de juger, hein. Ce qui est un énorme mensonge aussi, parce qu'on n'a pas réellement poussé à la fin du jeu, on est allé chercher un let's play sur YouTube. Salut, c'est tout pour moi. Allez, encore une fois. À l'envers maintenant? En canon? Ah, c'est splendide, je m'en lasse pas. Je veux absolument voir qui a fait ce chef-d'œuvre. Cryo, bien sûr. Les chèvres de chez Cryo. Allez, jeu suivant, et ce coup-ci un jeu éducatif pour lutter contre le tabagisme. Rex Ronan, l'apprenti chirurgien sur Super NES. Et il faut sauver votre patient qui est terriblement malade parce qu'il fumait à l'âge de 15 ans. Mais la terrible société de tabac veut sa mort parce que sinon, accrochez-vous bien pour la révélation, s'il se réveille, il va dire au monde entier que le tabac... c'est pas bien.
Je crois qu'il y a eu un jeu qui ressemble à Rex Ronan qui est sorti il y a pas trop longtemps d'ailleurs. Cet état lui fait avaler des milliers de robots. Mais le docteur Rex Ronan, lui, il dit la chimio c'est pour les tafioles, donc il va adopter un remède bien plus réaliste pour soigner son cancer. Bonjour monsieur, donc pour votre opération, je vais enfiler un juste corps rose, puis rentrer à l'intérieur de votre corps avec un vaisseau miniature pour aller tuer les robots à l'intérieur avec un fusil laser, d'accord ? Je peux changer de médecin. Le premier truc qui m'a fait méga chier dans ce jeu, moi, c'est le scrolling qui est complètement à la ramasse. Regardez ça, pour faire avancer l'écran, il faut être collé carrément au bord. Je vois rien du jeu, là, je ne vois rien du jeu, je ne vois pas les ennemis arriver. Là, 75% de l'écran ne sert à rien. Je sais même plus si on a fait la vanne. Bon, bref, le niveau 1 commence. Sur le fait qu'on va dans sa bouche pour nettoyer d'énormes taches blanches. Qui semble évident, mais. On avance un peu et on constate que des traces blanches recouvrent l'intérieur des joues. J'ai ici une injonction du tribunal pour vous interdire à l'avance de faire cette blague. Oh, on a fait pire. Putain, mais c'est une girafe ce mec ou quoi? Elle fait 10 km, ça trachée, on va sortir où comme ça? J'avoue. Tu veux vraiment que je te le dise? Non. Je me souviens même plus que Seb il avait cette voix aussi. Alors, tard encore. Je crois que ça devait être un des derniers épisodes où il avait la voix comme ça. C'est très difficile en vrai de faire du commentary sur des jeux, sur des vieux épisodes comme ça où il n'y avait pas de mise en scène réellement. Regardez, mais je veux dire, mais j'en ai pour 10 ans à tout faire. L'horreur dans ce jeu, c'est qu'en fait, tu avais cette arme qui tire un trait droit. Et quand tu as cette arme, le jeu est horrible à jouer. En fait, parce que c'est juste, il te faut le truc qui permet de balayer. Il y a des millions d'exemplaires, et pour les avoir, il fallait ou alors les commander, ou alors c'est le médecin qui te les donnait directement. T'imagines ça? Je suis désolé de vous l'apprendre, mais j'ai bien peur qu'on ait trouvé un cancer du poumon. Oui, continuez. Par contre, j'ai un jeu Rex Ronan, donc amusez-vous bien. Oh non, pourquoi moi? Non. Ah, le micro qui meurt. Je pense c'est vraiment idiot, puisque t'es limité en temps. Donc t'as clairement pas le temps. Quand on a changé de micro, on s'est aperçu que la membrane de notre ancien micro était pétée depuis des semaines, enfin depuis des mois, je veux dire. Oh, c'est dommage, je l'ai dit, moi j'aurais bien aimé voir la fin du jeu. J'avoue. Vraiment cancer ce jeu. Allez, jeu suivant, toujours sur l'état médical, un jeu sorti en 92 en Amérique du Nord, hein, y compris pour le Québec, donc en français, Captain Novoline, où vous incarnez un super-héros diabétique. Le Novoline est un médicament, je précise, c'est donc bien un jeu fait par l'industrie médicale pour apprendre aux enfants à quel point le diabète c'est cool. Il y a pas mal de jeux comme ça. Le monde est en danger, des extraterrestres sucrés ont envahi la Terre et kidnappé le maire. Qui c'est qui qu'on appelle à la rescousse? Captain Diabète. Je chante tellement Captain faux, c'est insupportable. Diabète. Quand ton taux de glycémie a dépassé 3, les enfants du monde entier se tournent vers toi. Alors déjà, j'avoue que voir une seringue dans un jeu pour gamins, je trouve ça affreusement glauque. Mais en plus, on laisse les gamins... Prochain défi Z-Event, je fais jouer ce jeu à Rayou pour avoir son avis là-dessus. Alors il faudra faire attention aux démoniaques donuts, aux vilains bols de céréales, aux bouteilles de coca, aux paquets chewing-gum, glace à la pistache, etc. Franchement, moi je trouve surtout ça... Alors attendez, moi je m'y connais pas assez en diabète, mais il y a plusieurs types de diabète. Parce qu'il y a des diabètes où genre tu dois pas manger sucré, mais il y a aussi des diabètes où au contraire tu dois beaucoup manger, non? Enfin je sais plus. On aurait même dû l'adapter et faire une Justice League avec que des super-héros déglingués. On a Captain Novolim, on pourrait avoir l'homme cholestérol, Super Cirrhose, le colonel cancer et légumane. Je veux dire, légumes, man. Je suis désolé, ça passe. J'ai aussi une citation encore pareille pour blague de mauvais goût. Non. Alors évidemment. Mais cela dit, attention, parce que Captain Novoline, c'est aussi un vrai jeu de stratégie. Vous pouvez c'est mourir aussi, à cause des coups des ennemis. Immaniable. Le jeu est dégueulasse. La hitbox des persos est pétée du cul. J'ai pas suffisamment de trucs qui traînent par terre. Durant le jeu, on rencontrera des gens qui vous aideront et qui évidemment ont tous le diabète. Hein. Par exemple, celui-là va me donner des chaussettes pour traverser le lac. Parce que ça, retenez-le, c'est important d'avoir des bonnes chaussettes. Alors, il paraît que oui. Je me souviens très bien de ces commentaires qui me disaient, bah oui, en fait, avoir des bonnes chaussettes pour les diabétiques, c'est important. Je saurais plus expliquer pourquoi ou comment. Je crois que c'est un rapport avec la pression du sang dans les pieds ou un truc comme ça. Mais on m'a dit que oui, voilà. Putain, mais sérieux, mais ces pauvres gosses, ils sont déjà diabétiques. Ouais. Mais foutez leur la paix, quoi. C'est horrible, quoi. En plus, avec un jeu pourri, quoi. C'est déjà, t'es diabétique, ta vie, c'est bon, quoi. T'as déjà assez de problèmes dans la vie pour qu'en plus on te fasse jouer à ça, quoi, au secours. Et donc, après le boss de fin, on a droit là, pour le coup, oui, c'est nous. Quiz glycémie à une poignée de main et c'est tout. Bah, en même temps, tu t'attendais à quoi? Bravo! Tu as fini le jeu! Tu as vaincu tous les ennemis sucrés! Bon, t'es toujours diabétique, hein, parce que bon, c'est incurable. Mais t'as fini le jeu, c'est bien, c'est pas mal, hein.
C'est horrible. Mais non, je déconne, tu n'as pas droit. Bon, voilà, c'était donc le... J'adore. Le dernier jeu pour aujourd'hui, et maintenant, si vous voulez m'excuser, je vais devoir y aller. Parce qu'il y a d'autres gens dans le monde qui souffrent à cause de jeux pourris, et que je vais devoir continuer à faire mon travail de justicier. Sachez que je me suis pris ce salami un nombre incalculable de fois dans la gueule avant de réussir à le rattraper sans le regarder. Continue à faire mon travail de justicier. Avec la musique du coup de la Spider-Man en version japonaise, qui nous a fait beaucoup fait rire. Hein. Sam, il était mort de rire en le montant. Je me sentais tellement con, putain, sur le fond vert. Parce que le truc, c'est, il faut voir, quand on tourne le fond vert, on n'est pas en mode, ah, 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 on rigole, il y a la musique. Quand on tourne le fond vert, tu dois vraiment prendre un air sérieux et faire et taper avec le salami et puis regarder la caméra en étant super badass. Mais en même temps, il y a ton cerveau qui est en train de te dire, mec, t'as 30 ans et t'es en train de taper avec le salami dans un fond vert, quoi, tu vois. C'est Poppy. Donc évidemment, je suis obligé de marcher sur place, hein, parce qu'on n'a pas de fond vert qui nous permet d'avancer.